Je vais l'enregistrer immédiatement, donc aujourd'hui, midi 46, mercredi, le 15 septembre 2021, 19 octobre 2015, au sujet de Justin Trudeau et d'un événement criminel dans lequel il a participé, peut-être directement ou indirectement, je ne sais pas. Mais on va voir ensemble ce qu'il en est de ça. On commence. Merci, mes amis. Un grand premier ministre, Wilfrid Laurier, a parlé des voix ensoleillées. Il savait que la politique peut être une force. C'est écrit en bas ici, arrestation. C'est écrit exactement ici, arrestation de Justin Trudeau pour recel d'armes et trafic de stupéfiants. Donc, c'est pas peu dire, là. On le voit ici. Je sais pas si on peut... Je vais essayer de... Voilà. C'est vraiment quelque chose d'un peu particulier. Et trafic de stupéfiants. On va mettre ça comme ça. Donc, j'espère que vous voyez bien. On continue. On va voir exactement ce qu'il y en est. Positif. Ça dure 7 minutes 20 secondes. Et c'est le message que les Canadiens ont envoyé aujourd'hui. Ces images vous ont valu les blâmes du SPVM et d'une grande partie de la population. Pourtant, vous dites n'avoir aucun regret et que vous agiriez de la même manière si c'était à refaire. Pourquoi? Les cinq Hells Angels qui subissaient un procès pour meurtre à la suite de la méga opération Shark, c'était en 2009. Puis il se passe quoi à ce moment-là avec les tatouages? Celui-là qui a l'exemple, la tête dans le dos, la tête allée, la patch au complet dans le dos, il se passe quoi? Quand tu t'en vas en politique, c'est pour toi être meilleur, c'est pour l'argent. Les Canadiens ont choisi le changement, un vrai changement. Un criminel à la tête du pays. C'est pas des farces, hein? Le 4 novembre 2015, Justin Trudeau devient officiellement le premier ministre du Canada. Et ce malgré son lourd passé criminel au sein du crime organisé. OK, on va repartir du début. Au début des années 90, vous avez fait de la prison pour recel d'armes. Une sentence de 3 ans de prison, mais vous en avez purgé 7 mois. En 1994... Grâce à une grosse opération policière avec plusieurs agents infiltrés, Justin Trudeau se fait arrêter par la police et est condamné à 3 ans d'emprisonnement. Mais on lui donna finalement seulement 7 mois grâce à sa grosse popularité qu'il connaît au sein de la population. Né en 1971, Justin Trudeau grandit en Ontario avec son père Pierre-Éliott Trudeau qui était à l'époque le premier ministre du Canada. À l'âge de 18 ans, il décide de venir emménager seul à Montréal, dans le quartier de Saint-Michel. À 19 ans, il commence à travailler dans une boîte de nuit, là où il fait la connaissance d'un certain Grégory Ouellet. Un vétéran des gangs de rue et proche des Hells Angels. Justin Trudeau est quelqu'un qui a toujours été gourmand pour l'argent. Donc au début des années 90, il fait équipe avec Grégory Ouellet pour contrôler le trafic de marijuana et de cocaïne sur le territoire Hochelaga-Maisonneuve à Montréal. Quelques temps après, il fait la rencontre du numéro 1 des Hells, Maurice Mboucher. Justin Trudeau n'a pas peur d'être affiché avec les Hells malgré tous les problèmes qu'il a eus avec la justice. Il a même déjà dit, dans une entrevue en 90, ne jamais ressentir de pression par rapport à tout ça. Everyone's got peer pressure at this age. I mean, there's pressure to smoke, there's pressure to do all sorts of stuff. And I've never been affected by peer pressure.
Cependant, tout bascule le 13 août 1995. Durant la guerre des motards, on apprend que Daniel Desrochers, un jeune enfant âgé de 11 ans seulement, perd la vie suite à une explosion d'une voiture piégée. Il fut une victime innocente de la guerre des motards et sa mort suscita un vent de colère auprès de la population. Peu de temps après les faits, les policiers procèdent à l'arrestation de Justin Trudeau, l'accusant d'avoir ordonné cette attaque. Pendant son procès qui était très émouvant, il admet ses torts et s'excuse devant tout le jury. We were wrong. We apologize. I am sorry. We are sorry. Et puisque le jury l'ont trouvé sincère, ils ont décidé de le déclarer non coupable. Judy Wilson-Raybould. Puisque sa popularité ne cesse d'augmenter, Justin commence à s'intéresser à la politique et rêve un jour de faire comme son père et devenir le premier ministre du Canada. Il commence à écrire des livres et passera même dans les émissions comme Tout le monde en parle pour pouvoir se vendre auprès du public juste avant les élections. Je vous cite, je crois pouvoir écrire que c'est en partie grâce à moi que la guerre des motards s'est terminée. Donc vous ne gagnerez pas personne avec ce livre-là, hein? On verra. Il va même jusqu'à dire dans une autre entrevue qu'il était sûr de sa victoire et que les gens veulent du changement. Vous avez gagné. Oui, d'abord oui, je vais gagner. Ah bon? Et on sent qu'à travers le pays, il y a une fatigue. Là, votre vie, depuis que vous avez arrêté, est la suivante. Vous devez vérifier s'il n'y a pas des fils qui dépassent de dessous de votre voiture avant de rentrer dedans. Votre famille est en danger. Vos enfants vous disent qu'ils craignent les bandits. Il a fallu que je développe un niveau de confiance en moi qui me permet de continuer, de me battre pour ce en quoi je crois. Et c'est ce qui se produira le 19 octobre 2015 quand Justin Trudeau remporte les élections fédérales et devient le premier ministre du Canada. Nous sommes allés voir un ancien enquêteur du SPVM qui s'occupait entre autres de la section des crimes organisés et qui connaît bien Justin Trudeau. Alors que c'est lui qui a le plus de pouvoir, okay. C'est lui qui a le contrôle. Ok. Grosse organisation. Oui, absolument. C'est ce que je trouve un peu bizarre. On dirait qu'il sort de ses fonctions. Comme pas, c'est ça. Quand tu t'en vas en politique, c'est pas pour être meilleur. C'est pour l'argent. C'est le crime organisé. C'est la politique, c'est un genre de crime organisé. Il est juste là pour l'argent, il va faire son bout, puis après ça, ben, il va partir. Qu'est-ce que je pense du gouvernement? J'ai saisi dans le mot, ceux qui nous gouvernent, moi, ils mettent des missions. Est-ce que le premier ministre va lui offrir un procès juste? Quand un immigrant pris, on est fier de l'appeler québécois. Mais s'il commet un crime, on précise son origine, n'est-ce pas? C'est très bien. Ce serait inapproprié pour moi de commenter cette affaire alors qu'elle est couramment devant les tribunaux. Donc, c'est terminé. Vous voyez comme moi que c'est vraiment quelque chose de tout à fait particulier. Quand on veut aider un pays, premièrement, on cherche les erreurs, les infractions, les fautes que commettent ceux qui nous gouvernent. Moi, je fais ça depuis 25 ans. Donc, parce que j'ai étudié encore. J'ai passé, si vous voulez, en inspection, là, pour évaluation psychiatrique. Une fois à Saint-Jean-sur-Richelieu et l'autre fois à Sherbrooke. Parce que vous savez que quand on connaît quelque chose qui dérange, on sait que dans les pays communistes, ça fonctionne comme ça aussi. On essaie de déclarer les gens fous. Mais les médecins, c'est pas tous des gens...
on dit, comme on dit, qu'ils en ont contre l'humanité, là. C'est pas vrai, c'est pas tous des gens comme ça, là. Il y a des médecins là-dedans qui sont quand même de bonne foi. Ils ont des enfants, ils ont leur famille, ils ont leurs parents, leurs grands-parents, et tout ce monde-là. Et ces gens-là tiennent à protéger la vie plutôt que provoquer la mort. Vous comprenez? Quand quelqu'un décide de faire mourir son enfant par avortement, c'est pas le médecin qui décide ça. Le médecin, lui, il a rempli sa fonction de peine et de misère dans ces cas-là, c'est certain, parce que dépecer un enfant, le sortir en morceaux dans le sein de la mère, et aujourd'hui, on sait que dans certains États, c'est rendu que même l'enfant, après sa venue au monde, peut être tué si la mère le décide. Donc, vous savez que la pandémie, c'est pas quelque chose qui est étrangère. C'est pas un événement étranger à tout ce que l'humanité a fait contre la vie, que ce soit par avortement, que ce soit pour de l'argent, que ce soit pour n'importe quoi. Aujourd'hui, c'est l'argent qui règne. On vient de voir l'exemple de ça chez le fils de parents très, très riches, parce que Pierre-Éliott Trudeau, c'était une famille très, très bien nantie et tout ça. Il y avait ses connexions et c'est des gens très riches, très riches. On n'est pas au courant de la fortune de Pierre-Éliott Trudeau, mais je vais vous dire franchement, ces gens-là roulent sur l'or, comme on peut dire. Il y a quand même l'État profond en arrière de ça, et l'État profond, mais ça regroupe des gens très, très riches, différents empires que vous connaissez ici au Canada. Il y en a un qui est sur le territoire Sagard, justement, dans le bout de Charlevoix et tout ça. Et il y en a d'autres aussi qui contrôlent, si vous voulez, des compagnies en informatique, en programme logiciel et tout ça. Ils ont fait leur fortune là-dessus, ils continuent à faire leur fortune là-dessus, des gens que vous connaissez bien, qui ont fait les manchettes tout dernièrement. Ils sont publics, ils sont politiques, mais ils sont aussi dans le secteur privé. C'est pour ça que le partenariat public-privé, c'est quand même quelque chose qui a été adopté, ça. Et c'est quand même une juridiction fédérale qui est enregistrée au registraire des entreprises et des biens non réclamés 153-21-66 du 12 avril 2012. C'est enregistré sous le numéro 88-31-85-81-03. Et le 31-85, c'est une division fédérale. Et ça, c'est la loi, c'est tout simplement le partenariat public-privé, qui est une institution publique et qui porte aussi, qui est synonyme de Infrastructure Québec, qui est sous le même numéro. Donc, le fédéral a beaucoup de choses à faire ici. Je ne sais pas de quelle façon ils peuvent, je vais vous dire franchement, le commissariat à l'information du Canada est enregistré au registre des entreprises de Revenu Québec, sur le numéro 88-70-29-52-58. Donc, il y a de l'assujettissement là-dedans. Serge Champoux, ben, il avait son fameux dossier 460-01-0117-117-117, dossier Drazen Tomic. On sait qu'il y avait aussi le dossier devant le juge Jean-François Michaud, M. Paul Leblond, qui a fait dire à Jean-François Michaud, de la Cour supérieure, de demander au tribunal du peuple, à la Cour du peuple ici, le grand jury du peuple du Canada, ça c'est dans le dossier 700-17-012-481-155, il a demandé à Paul Leblond de demander au grand jury du peuple du Canada si la Cour supérieure était constitutionnelle. Comprenez, si elle était constitutionnelle. C'est le juge même qui a dit, demandez à votre grand jury. Lui, il dit, je ne peux pas répondre à ça. Il l'a dit. Et là, moi, je suis présentement devant le juge Charles Ouellette. Et ce document-là, là, que je viens de rédiger présentement concernant Justin Trudeau, je le partage avec Geneviève Côté, qui est au DPCP, puis avec justement, le directeur des poursuites criminelles et pénales,
Patrick Michel et Vincent Martin-Beau. Et celui qui était au dossier avec le juge Serge Champoux, Julien Godet, La Chapelle, qui a toujours été au service de l'Association de l'Assurance automobile du Québec, en même temps qui est au directeur des poursuites criminelles et pénales. Et j'ai même un courriel que j'ai expédié à la Société d'assurance automobile du Québec à son attention, et ils m'ont bloqué. Alors que quand on est bloqué, c'est parce qu'on ne me veut pas. C'est pas parce que le courriel, il n'est pas actif. Non, c'est parce qu'on m'a refusé, on me bloque. Bloquer quelqu'un, c'est comme bloquer une rue, c'est comme bloquer quelque chose. Il est là, mais il est interdit de passer. C'est ça, bloquer. Donc, il y a eu déjudiciarisation dans le dossier 455-66-00-0029-188. Et cette déjudiciarisation-là, ça a été logé à la Sûreté du Québec contre ma nature humaine, Jacques-Joseph Antoine-Pierre, le représentant autorisé de M. Normandin, qui est le seul à avoir une date de naissance. Que ce soit Jacques-Joseph-Pierre-Antoine, Jacques-Joseph-Antoine-Pierre ou Joseph-Jacques-Antoine-Pierre, ou appelez ça comme vous voulez. Première des choses, le gouvernement enlève les traits d'union pour créer plusieurs prénoms. Donc, plusieurs prénoms, étant donné que dans un certificat de naissance, il n'y a pas d'heure et de minute de naissance, c'est seulement une date de naissance. Donc, à la date de naissance, Jacques et Joseph et Antoine et Pierre, ou et Pierre et Antoine et Jacques-Antoine et ainsi de suite, là, peuvent naître durant toute la journée du 13 juin 1951, mais eux autres ne croient pas à ça. C'est eux qui l'ont créé comme ça, c'est le gouvernement, c'est nos gouvernants, c'est les scribes. Les scribes, c'est ceux qui sont spécialistes dans l'art des lettres et du langage. Alors que moi, là, vous savez, je suis un bricoleur maçon, je fais des erreurs, des fautes d'orthographe. Et quand un avocat se moque de moi parce que j'ai fait une faute d'orthographe, c'est un scribe. C'est quelqu'un qui manipule à la perfection les lettres, l'écriture, pour nous tromper. C'est beaucoup, beaucoup, c'est bien pire que ce que je peux faire, moi, à commettre une erreur d'orthographe parce que c'est incompréhensible ou frivole ou farfelu, comme le disent souvent les juges, les avocats, parce que ces gens-là, les scribes, c'est pas la population qui est scribe. C'est ceux qui administrent la justice. C'est là que sont les scribes. Et n'oubliez pas que ce sont les scribes et les pharisiens qui ont accroché le Christ à la croix. Les scribes et les pharisiens. Ceux qui avaient toujours des reproches à faire contre Jésus, qui était ici comme une nature humaine qui venait aider simplement à ses semblables. Donc, je vais vous dire franchement que la Cour d'appel du Québec, qui occupe actuellement le cabinet du lieutenant-gouverneur du Québec, en vertu de l'article 67 de l'acte de l'Amérique du Nord-Britannique, n'a pas à faire là, la Cour d'appel. Parce que le lieutenant-gouverneur avait l'autorité de désavouer ou de faire désavouer par le gouverneur général et par la reine des lois qui sont inconstitutionnelles, illégitimes, illégales. Comme le chapitre de loi 53 de 1897 qui accorde aux juges l'immunité aux fonctionnaires publics, qui leur accorde l'immunité de faire du travail, de rendre des décisions sur des lois inconstitutionnelles du Parlement du Canada ou de la législature d'une province. Et ça a été adopté ici par l'Assemblée nationale, pas par le Parlement du Canada, pour s'appliquer partout au Canada. Donc, on voit qu'en 1897, déjà, c'était l'anarchie ici au Canada. Et on souffre de cette anarchie-là depuis belle durée, depuis longtemps. Et moi, ben, je suis gardien des intérêts de Sa Majesté qui est chrétienne catholique, pas catholique, mais anglicane. C'est une chrétienne, mais anglicane. Et les chrétiens, même s'il y a eu des schismes dans l'Église catholique, quand on est chrétien, c'est qu'on prie notre Seigneur Jésus-Christ, on prie Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, c'est la Sainte Trinité, Père, Fils et Esprit Saint. On appelle ça la Sainte Trinité. Et quand on prie Jésus-Christ, on demande à Jésus-Christ de nous éclairer par l'Esprit Saint et tout ça, par son Esprit, car il est Dieu en même temps. Et les gens qui croient ça, ils n'ont pas besoin de preuves. Moi, je ne suis pas Thomas. Je n'ai pas besoin de mettre les doigts dans les plaies pour croire à ça. Alors que les gens ici sont incrédules, et même s'ils ont eu des parents chrétiens, catholiques ou protestants,
souvent ces gens-là ont décroché à cause de ce que les médias d'information ont déblatéré sur les religions pour éventuellement remplir les poches de ceux qui sont vraiment, comment je peux dire, dont les privilégiés, donc du droit. Le droit veut dire privilège. Hein. Le mot droit veut dire privilège, rien d'autre. Donc, quand un gouvernement, c'est pour qu'il vous accorde des privilèges et qu'il vous refuse des privilèges. Et moi, depuis que j'ai fait reconnaître la distinction entre la nature humaine, donc la facto nature humaine, qui veut dire la vraie et réelle nature humaine, bien, on m'a tout enlevé. Permis de conduire, carte d'assurance maladie, certificat de naissance du directeur de l'État civil. Et ça a commencé par la formule 2, 149-844, dans lequel c'est bien écrit qu'un citoyen canadien ou américain n'a ni race ni peuple, et que le nom de famille, qui a une date de naissance, c'est un surnom. Donc, c'est un surnom, puis un surnom, c'est un pseudonyme. Et un pseudonyme, ça n'a pas de vie. Ça ne prend pas un génie pour comprendre ça. Ça ne prend pas même une deuxième année. Vous comprenez? Un petit enfant intelligent qui a une première année, là, puis qu'on... On lui dit, regarde ça, là, c'est de la fiction, ça, il va comprendre, lui. Vous comprenez? Ça ne prend pas un génie. Tu n'es pas obligé de faire l'université pour savoir qu'un surnom ou un pseudonyme, ça n'a pas de vie. C'est tout simplement une identité. On appelle ça un nomen, qui est un nom. N'importe quel nom. Un nom, c'est n'importe quoi. Et le nomen, c'est un prénom. Un prénom usuel. Donc, si tu as un prénom qui n'est pas usuel, donc qui est inusuel, comme mon nom de famille, qui n'est pas un prénom, mon nom de baptême, c'est-à-dire, mon nom de baptême n'est pas usuel, puis il n'y a pas de nom de famille dans un nom de baptême. Un nom de famille ne se baptise pas. Il faut que ce soit de genre masculin ou féminin. Et moi, ben, mon nom de baptême, c'est Joseph-Jacques-Antoine-Pierre. Donc, je suis de la famille Normandin. Je ne suis pas Monsieur Normandin. Mais le gouvernement, par justement la juridiction, par les tribunaux, par la législature, par les banques, les compagnies d'assurance et les marchés boursiers, on est obligé d'utiliser les titres Monsieur, Madame et Mademoiselle, mais seulement pour le surnom, le pseudonyme de famille ou le matronyme, un patronyme ou un matronyme de famille. Puis il y a un nom de famille. C'est un groupe de personnes et un nom de famille, c'est invariable. C'est ni masculin ni féminin. Donc, automatiquement, ça n'a pas de sexe. Vous comprenez? Monsieur, si on dit monsieur, madame ou mademoiselle, quand on donne un nom de famille, c'est une chose, ça devient une corporation. Donc, on peut dire bonjour, monsieur corporation. C'est tout. Bonjour, madame corporation. On n'est pas obligé de connaître son nom de famille. On sait que ça regroupe toute une société familiale. De différentes langues, de différentes couleurs, de différentes races, de différentes religions et tout ça. Donc, Normandin, il y a des Normandins dans toutes les races, dans toutes les religions, de toutes les couleurs et tout ça. On dit monsieur, madame ou mademoiselle. Mais c'est toujours invariable, c'est surnom, c'est un pseudonyme, ça n'a pas de vie. C'est un nomen, et le mot nomen dans le dictionnaire de droit québécois et canadien de Hubert Reed, ça veut dire les trois éléments de possession de l'État, qui est votre prénom usuel ou un prénom inusuel, mais pas un nom de baptême. Votre prénom usuel ou votre prénom inusuel avec un surnom de famille et votre adresse civique est sur le talon souche de votre certificat de naissance du directeur de l'État civil. Et vous allez voir que sur le talon souche, il n'y a pas de date de naissance. S'il y a une date de naissance, c'est parce qu'il se répète à deux places. Il se répète sur la partie supérieure, qui est normandin, et sur le talon souche qui est normandais. Donc, les prénoms, ça ne vaut absolument rien. Ça devient tout simplement une dérogation puis une déconsidération de la nature humaine dans son existence baptismale, par son baptême, ou dans son existence naturelle. Vous comprenez? Dans son existence naturelle. Parce que quand on s'appelle « Salut Johnny, salut Jack », tu sais, on va dire ça de même. On ne dit pas monsieur ou madame ou mademoiselle, mais ça ne fait rien. C'est un nickname. Mais, à quelque part, on peut dire que c'est humain et qu'il n'y a pas de nom de famille là-dessus. Allô, Sou. Il y a plusieurs prénoms, plusieurs nicknames qu'on peut donner à plusieurs personnes.
quand on est très familier avec et ça va bien. Salut Ben, tu sais, et tout ça. Tu sais. Donc, comprenez bien que là, on travaille ensemble pour se sauver de toute cette anarchie qui nous gouverne. Et je parlais avec Aline Lafond hier, et ce que je vous explique sur votre identité, elle ne veut pas l'expliquer. Elle m'a dit que ça ne nous regarde pas, donc elle n'a pas à nous expliquer ça. Elle ne veut pas embarquer là-dedans. Et j'ai dit à Aline Lafond hier, parce qu'elle est quand même dans la cour de Common Law, et je suis d'accord pour la cour de Common Law, mais pas de la façon qu'elle s'y prend. Elle veut créer une personne physique alors qu'elle existe encore. Elle existe, la personne physique. C'est seulement ça qui existe dans notre système, puis elle veut le créer encore. Donc, je ne sais pas le Zorro qui était avec elle, avec un masque, qui a peur de se montrer. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait là, mais je vais vous dire une chose. On sait ce que c'est des masques. On ne peut pas détecter qui il est. C'est qui ce monsieur-là? C'est qui influence Aline Lafond pour tout simplement ne pas s'engager dans des responsabilités sur ce qu'elle fait? Moi, quand je fais quelque chose, si je prends un engagement pour servir les gens, je prends l'engagement. Mais jamais pour faire du mal, jamais pour quoi que ce soit. Je m'expose devant des gens qui font du mal. Des gens qui savent que le Québec, c'est un pays depuis 1968, puis qu'ils ne disent pas. Des gens qui savent qu'il n'y a plus de règne, qu'il n'y a plus de souverain ici. Depuis 1985, depuis la dévolution de la couronne, qui dit dévolution de la couronne... veut dire que la dévolution de la couronne n'a pas pour effet d'interrompre ou de dissoudre le Parlement, lequel continue à fonctionner comme s'il n'y avait pas eu de dévolution de la couronne. Donc, ça veut dire que c'est comme s'il n'y avait jamais eu de souverain, de règne. Donc, c'est l'anarchie ici. Qui peut désavouer les lois? Les lois inconstitutionnelles, les légitimes, illégales, les décrets, les codes de règlement. Le code de règlement fédéral, 447 du fédéral, attribue à chaque personne privée le pouvoir souverain, c'est dans la loi. Et ça, il n'y a pas personne qui s'est arrêté à ça encore. Là. Puis justement, en pensant à ça, je vais le rajouter. Dans les documents, c'est quand même très important de comprendre que le Code de règlement du Canada, CRC, chapitre 447, attribue à n'importe qui, à chaque personne privée, le pouvoir souverain. Vous comprenez? Mais qui décide du pouvoir souverain de chaque personne privée? C'est le premier ministre? Ou est-ce que c'est la reine elle-même qui n'existe pas? Ou est-ce que c'est le gouverneur général ou le lieutenant-gouverneur qui n'a plus d'autorité, qui n'a plus de pouvoir depuis 1952, au chapitre 139, qui a fait du gouverneur général un corporation soul, une personne physique, alors que la reine d'Angleterre a été sanctionnée, a été consacrée Reine du Canada, du Commonwealth britannique, du Royaume-Uni, etc., en 1953, par l'onction sainte qu'elle a reçue de l'archevêque de Canterbury. Donc, elle a été consacrée reine comme défenseur de la foi, et son mandat à la reine, c'est Dieu. C'est drôle, hein? C'est Dieu. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu l'Esprit Saint, c'est Dieu. C'est pas plus compliqué que ça. Donc, là-dessus, il est exactement 13h14, mercredi, le 15 septembre 2021. Je vous laisse là-dessus et je vais vous le partager. À bientôt, merci.